Recoucou tout le monde, je parlais dans le vide, j'ai fait une mauvaise manipulation, j'espère que vous allez bien. Viens, il y a un vélo, une trottinette qui arrive. Donc je suis venue vers vous pour vous dire déjà, alors je crois que c'est Dany qui m'a laissé un commentaire en ce qui concerne Roswell et tout tralala là. Voilà, je vais m'en dire de trop parce que quand j'appuie, viens avance Mickey. Quand j'appuie sur la cloche, je vois le commentaire et quand je vais pour voir la vidéo avec les commentaires, il n'apparaît pas. C'est assez étrange, assez bizarre. Je pense que YouTube maintenant, on surveille de très très près. Viens avance, il a peur, il a peur. Allez nounou, avance. Tu te fais montrer. Donc je vais revenir vers vous pour vous montrer donc la photo qu'un viticole a pris. Donc je vous raconterai ça ceci demain. Donc j'ai pu retrouver ce lien, etc. Bref. Donc c'était pour vous dire ceci. Voilà. Donc je vois un commentaire quand j'appuie sur la cloche et dès que je vais sur la vidéo, eh bien le commentaire, je crois que c'est Dany, n'apparaît pas. Voilà, apparemment, on surveille les commentaires, hein, vous le savez, puisque j'ai constaté qu'il y avait des commentaires, qui étaient supprimés, ou voilà, il y a plein de choses assez bizarroïdes qui se passent sur YouTube, donc faut pas faire attention. On voit mon ombre, coucou. Alors, Nuki, il a un peu peur parce qu'il est un peu dans le noir. Donc, c'est. Allez, viens, avance, il y a de la lumière, viens, la Titi, voilà. Donc je reviendrai pour ceci demain, comme ça je vous montrerai la photo que... Alors c'est bien sûr, c'est quelqu'un qui a pris la photo, donc c'est pas une photo de pro, hein, voilà. Donc on voit quand même ces deux objets assez, assez bizarroïdes. Donc je vous expliquerai ceci. Je vous ai fait partager aussi donc tout à l'heure, une vidéo... Donc il y a des messages aussi qui sont apparus. Après je remercie aussi donc une abonnée qui m'a félicité pour des décorations lors de petits messages comme ceci. Donc ça m'a touché, ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que j'adore ça. J'aurais dû être décoratrice je pense, mais j'ai choisi autre chose. Eh bien c'est très gentil, ça m'avait vraiment touché, mais ce qui est le plus important c'est les messages à comprendre et à raisonner, chacune à chacun à sa façon. Voilà, c'était juste un petit coucou comme ça. Donc tout à l'heure je parlais dans le vide, j'avais pas activé voilà ce qu'il fallait, la lumière s'allume. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, j'espère que vous allez bien. Donc je reviendrai pour ceci demain, comme ça je vous montrerai donc la photo. Ce qui a été marqué donc dans ce journal L'Union, voilà. Et comme ça, vous verrez un petit peu ce que Josiane a dit, que ça s'avère vraiment vrai. Et c'est vrai que parfois, je ne regarde pas toujours. Ceci me donne encore des preuves, comme je vous l'ai dit, de ce que je pense depuis très très longtemps, depuis l'âge de 16 ans. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Ben c'est tout, hein. C'était pour vous dire que demain donc je reviens vers vous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer, j'ai fait la coiffeuse. J'ai coupé un peu les poils de la petite gueule à Nuki, sa petite frimousse. Nuki. Alors attendez, je vais agrandir. Voilà. Viens là Titi, regarde. Titi, nounou, regarde par là. Hé. Viens là, fais voir. Titi, oh, eh, c'est par là que ça se passe. Eh, Nuki. Non mais il est très curieux, hein, comme il voit personne dans les rues, à part de temps en temps des voitures. Là, je suis sur un autre chemin. Nuki. Alors voilà, je vais dégager autour des oreilles, un petit peu derrière. Mais c'est son petit museau là. Viens maman, fais voir. Eh, fais voir. Viens voir. Eh. Viens, regarde, fais voir. Fais voir ta petite frimousse. Oh, ben alors.
Voilà, je vais dégager les yeux sur les côtés, etc. Un petit peu en dessous, etc., etc. Bref, en attendant qu'il aille ailleurs. Quant à moi, ben, comme je vous l'ai dit, j'aurais besoin d'avoir les cheveux coupés parce que, je sais pas si vous avez vu sur la photo, ils sont assez longs. Et j'aurais pu aller chez le coiffeur d'à côté. En plus, c'était un prix qui n'était pas excessif. Donc c'était vraiment intéressant, hein. Je ne dirais pas le prix, mais c'était vraiment intéressant en sortant la tête mouillée. Donc ça, c'était cet été. Et depuis, bah, le temps s'est écoulé. Et c'était intéressant, mais comme j'ai pas envie de mettre une miselière pour aller chez le coiffeur, donc je vais me couper les cheveux toute seule. Alors, je suis Nouki. Alors, ce qui est bien, c'est que en étant ancienne coiffeuse aussi, je peux quand même me couper les cheveux toute seule. Donc il y a une technique, hein, faut la connaître tout simplement. Donc c'est très bien, donc il faudra que je le fasse. Et puis après, faire mes petites mèches de devant. Voilà. Là, c'est un petit blablabla. Alors je vois le ciel, il n'y a pas d'étoiles. Donc à mon avis, demain, nous allons avoir un temps encore grisâtre. Un temps d'automne. Un temps d'automne. Donc, comme je vous avais dit, prenez des bonnes vitamines, des vitamines D. Viens, retourne par là. Des vitamines D. Viens. Des vitamines D pour. Bah, vu qu'il y a très peu de soleil, hein, donc on en a quand même besoin. Vitamine D ou autre. Hein. Alors, il est très curieux. Non, par là, Nouki. Viens par là. Donc, des bonnes vitamines D, puis autres vitamines aussi. Voilà, donc c'est un petit coucou assez rapide. Viens par là, Titi. Il est têtu, hein. Allez, hop. Vous savez que les York, ils sont assez têtus. Voilà. Têtu, mais adorable. Petite gueule de frimousse, là. Là, on les voit bien, les feuilles. Hein. Bon, bah, vous savez, les chiens-chiens, ça a fait des petites gouttes par-ci, par-là. Je vais juste monter sa frimousse. Voilà. Donc j'ai fait ça cet après-midi avec l'aide d'une amie aussi, parce que toute seule, c'est pas évident. Et donc je vous souhaite une agréable soirée et je vous retrouve donc demain pour vous montrer la photo, ce qu'il a de marqué aussi en ce qui concerne ces deux objets non identifiés qui a été vu donc sur Épernay en Champagne, qui se trouve entre Reims et Chalon. Voilà. Alors, je vous montre les arbres. Voilà, il y en a qui sont en train de se dénuder. Hein. On voit les feuilles qui tombent, voilà. Ça tombe à terre. Et c'est normal, bientôt, il n'y aura plus de feuilles sur certains arbres. Et voilà, ils vont être à nu et vont se régénérer pour pendant l'hiver et puis après rebourgeonner au printemps. Est-ce que je vais venir samedi? Non, samedi je ne serai pas présente. Je vais voir quand même si je me sens de vous faire ce que je vous avais dit, faire parler les oracles, hein, plusieurs oracles. Attends, Titi, viens par là. Viens. Vous faire parler. Alors je vous montre sa petite frimousse. Nouki! Nounou! Hé! Il est très curieux, hein. Voilà. Voilà, je vais dégager, je passe du coq à l'âne. Hein. Je vais dégager les yeux au-dessus, autour des oreilles, en dessous. Voilà, comme ça, il voit un petit peu mieux. Et puis voilà. Oui, donc je verrai si je peux revenir aussi demain soir pour ceci. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser sur ces belles couleurs magnifiques. Et je vous dis à demain, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain. Bisous, bisous, très bonne soirée à vous.